Salut chers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour un nouveau jeu, donc Forever Loving You ou Fly Forever Loving You, je ne sais pas, dites-moi. J'ai décidé de commencer ce nouveau jeu parce que j'aime beaucoup faire les dialogues et comme vous le savez, je devais faire Moonlight Lover, mais les vidéos sont restreintes, enfin je ne peux pas en faire. Donc je fais sur celui-là. Un jeu qui m'intéresse depuis longtemps et que je n'ai regardé aucune vidéo cette fois, au moins je ne serai pas spoil, ça c'est cool. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je ne monte pas ma tête sur cette première vidéo, mais elle reviendra très vite, je vous le promets, parce que je n'ai pas testé de filmer longtemps avec ma tête et le son, et il faut que je reteste avant de ravoir une mauvaise surprise. Oui, donc commencer. J'ai enlevé le son, donc il n'y aura pas de son avant ce chapitre 7. Maintenant, on va commencer au début, un peu logique. D'accord. Oui, donc c'est bien Fly. Oui, en fait, d'accord. Ok. Donc, ok. Je ne... Ok, mais c'est déjà beau, hein. Ouais. Bonjour, bienvenue dans Fly, Forever Loving You. Je suis Ajeb. Ajeb, je ne sais pas. Créateur, illustrateur, programmeur, écrivain et graphiste du jeu. Ouais, en fait, tout quoi. Il s'agit d'un Otome Game amateur et totalement gratuit. Oui, je n'ai pas payé. Ouais. Du coup, il sortira en plusieurs chapitres sur diverses mises à jour. Si vous voulez être prévenu de l'avancée des chapitres, suivez-moi sur Twitter. D'accord. Pas maintenant, mais ok. Continuez. Vous pouvez également liker la page Facebook du jeu. Oui, mais j'ai Facebook. J'ai pas Facebook. Très bien. Quelle musique de fond voulez-vous entendre? Bon, pour le moment, je vais mettre. Rêve. Mais je sais pas si. Bah, du coup, je n'entends pas. Du coup, oui, allez. Je ne sais pas, mais. Comme il s'agit d'un Otome Game, vos choix auront des conséquences sur la suite de l'histoire. Logique. Le jeu sort par chapitre. Il y en a actuellement 8. Disponible. Les prochains seront ajoutés avec les futurs mises à jour. Donc, il n'y a pas encore. Ok. Il n'y a pas encore tout le jeu qui est sorti, je pense, du coup, s'il dit ça. Il s'agit d'un jeu amateur et dont la langue originale est le français. Ne choisissez pas d'une traduction. Tant mieux, parce que les traductions, on sait que ça pue la merde. Pardon. Le jeu est et restera gratuit. Pas de PA ou de ticket. Oh, ça c'est la vie. Non mais franchement, les PA. Quelle bonne idée. C'est faux. Il n'y a pas de pub. Et je suis le seul, Ajeb, à travailler gratuitement sur le jeu. Soyez patient. S'il vous plaît. Mais oui, bien sûr. Non, franchement, on n'est pas comme ça. Il n'y a pas de date de sortie pour les prochains chapitres en général. Merci de ne pas me poser des questions. De ne pas me poser tout le temps cette question. Mais oui. Merci et bon jeu. N'hésitez pas à sauvegarder votre progression régulièrement. Oui, ouais, c'est une très bonne idée. Jouer l'introduction, oui. Salut, je suis Nuggets. Oh, c'est trop mignon. Je vais t'expliquer quelques bases du jeu. Oui. Pendant un dialogue, tu peux avoir plusieurs choix qui s'offrent à toi. Oui, bon, si tu mets des virgules partout, Théa, ça va pas le faire. Ta réponse aura des conséquences sur la suite de l'histoire. Logique. On va essayer quelque chose. Ouais. Salut, comment ça va? Ouf. Bien et toi? Non, je rigole. Super, merci. Oh, c'est trop mignon. Mais c'est pas une Nuggets, par contre, je suis désolée, c'est un piou-piou, ça. C'est un piou-piou. Dans ces cas-là, le niveau d'affection envers ton interlocuteur ne change généralement pas. Excusez-moi, ma voix repart. Oui, je suis encore malade. Oui, oui, c'est magnifique. Mais dans d'autres situations, non mais ça va pas commencer. La réponse aura un impact positif ou négatif sur la personne. Ah, j'ai trop mangé, j'ai mal au ventre. Ça t'apprendra, tu devrais faire une marche d'histoire, histoire de digérer. Tu as raison, allons-y. Non, moi je suis gentille. Tes choix auront des incidences sur l'histoire en cours, mais ton interlocuteur peut s'en souvenir. Tu peux réessayer avec d'autres réponses pour voir mes autres réactions. Non, j'ai la flemme. Comment ça va? Bof. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trop mangé, j'ai mal au ventre. Ça t'apprendra.
C'est pas gentil, j'ai besoin de ton soutien, pas de remontrance. Oh non, le pauvre. Pendant un chapitre, tu peux débloquer des illustrations. Elles peuvent se débloquer automatiquement sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Ah, ça c'est cool. Parce que voilà. Parfois, les choix que tu fais influencent l'obtention ou non d'une illustration. Ok, yes. C'est tout pour l'instant, tu comprendras assez vite comment le jeu fonctionne. Si jamais tu te poses une question, la réponse c'est. Attends. La réponse c'est rayé blanc et bleu. Hein? Ça veut pas dire grand chose, mais au moins c'est mieux que rien. J'ai pas compris, mais d'accord, Nuggets. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler Nuggets, il s'appelle Nuggets. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bon jeu, merci. À toi. Jamie. Non, Nuggets. Nuggets. Allez. Ah, il fallait appuyer, d'accord. Non, on va commencer le chapitre 1 du coup. On s'appelle Forever Loving You. Ouais, non, je rigole. Je me suis levée plus tôt ce matin pour finir de remplir les papiers demandés par mon nouveau lycée. Mais pourquoi on est toujours dans un nouveau lycée à chaque fois le début d'un automé? S'il vous plaît. Je n'ai plus qu'à inscrire mon prénom. Ouais, je m'appelle Saïwa, bien sûr. Et mon nom de famille. Ouais, parce que ça, c'est mon pseudo en entier, normalement. Bref, c'est pas grave. il est déjà l'heure d'y aller. J'ai l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Bon, je vais dépêcher de m'habiller. Me dépêcher. Ça commence déjà, je ne sais plus lire. Voilà pourquoi je dois m'entraîner. Vous êtes mon entraînement. Je rigole. Dans la lettre envoyée par mon nouveau lycée, il spécifie bien d'arriver en avance pour qu'un élève me fasse visiter le lycée. Saïwa! Oh shit. Ah, tu es réveillée? Non. Je ne suis pas réveillée. Tant mieux, j'ai eu peur de devoir encore une fois te sortir de force de ton lit. Oh bah, c'est pas gentil ça. Je pensais que tu étais habituée maintenant. Il faudra bien plus qu'une semaine pour m'y habituer. Il faut 3 semaines pour s'habituer à quelque chose. J'arrête. Bon, puisque tu es levée, tu devrais aller petit déjeuner. Qui dit ça? Je sais pas, moi je dis pas ça. Il manque le prendre. Enfin bref. Sinon tu vas probablement te rendormir. J'ai petit déjeuner. Non, non, non. C'est pas un verbe. Enfin bref. Je sais pas moi, je dis pas ça. Bah après c'est peut-être. Oui, c'est peut-être des expressions que je n'ai pas. On a fini d'emménager il y a une semaine. On a décidé de faire ça pendant les vacances. Du coup, j'ai eu le temps d'occuper ma chambre assez longtemps pour commencer à me sentir chez moi. J'ai aussi eu la chance d'habiter à 2 pas de mon lycée. Enfin, de mon nouveau lycée. Faut préciser. Hein. Je devrais y aller. Je sens c'est le genre de meuf qui va dire c'est 2 mois après. Oh non, mais c'est mon nouveau lycée, tu vois. Mais t'es là depuis 2 mois, meuf. Ah oui, c'est vrai. Attends, prends ces 50 euros. Je veux cette mère. 50 euros? Je pensais que. On ne sait jamais, tu pourrais avoir besoin d'un taxi, ta carte de cantine n'est peut-être pas encore activée. Ouais, un taxi, mais lycée à peine 10 minutes à pied. La chance. Tu veux que je les reprenne alors? Très bien. Non, non, donne. Non, ça ira, merci maman, bisous, à ce soir. J'ai décidé de prendre un taxi, je ne suis pas encore familière avec le chemin exact. Ça aurait été vraiment bête de se perdre le jour de mon arrivée. Oui, c'est vrai que. Oh, trop cute! Trop. Elle a les cheveux courts, j'apprécie. Bon, ça va le faire. Je suis censée retrouver le membre du comité d'accueil de mon nouveau lycée ici. Lycée, j'ai dit. Ouais, ça me fait bizarre d'arriver au troisième trimestre. Ah ouais, c'est con ça. Mais quand on y pense, je ne suis qu'en seconde. Ah, que ça. Alors que je n'aurais pas du mal à m'intégrer. Ok, ça va. Parce que si ça arrive en terminale, le troisième trimestre, ça sert un peu à rien. Salut. D'accord. Salut. Et toi là, je suis la nouvelle, dépêche-toi de me faire visiter le lycée, s'il te plaît. Non, je vais dire salut. On est gentil. On est très gentil. Moi, c'est Evan, et je suis chargée de te faire visiter le lycée. Ça me fait penser au grand frère d'Alexis Armin, mais il ne ressemble pas du tout. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon je t'aimerais déjà pas. Toi, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est un joli prénom. Je sais, merci. Merci, au fait, désolé de te faire perdre ton temps. Maintenant, fais ton job. Non, on va dire ça. Parce que. On fait genre la meuf qui s'excuse tout le temps.
Mais non, ne t'inquiète pas, j'ai accepté de faire partie du comité d'accueil, alors tu ne me fais pas perdre mon temps. C'est un peu comme mon job. D'accord. Bon, je vais te présenter le lycée. Prête? Oui. Eh, c'est juste un lycée! Sans dire un mot, il m'a fait signe de le suivre et m'a emmené au deuxième étage. Bon. Alors voilà à l'intérieur du lycée. Mais non. Hummingbird. Je ne suis pas très douée pour te faire visiter. Je vais réussir à parler un jour, vous inquiétez pas, c'est le début. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de dialogue, parce qu'avant Life is Strange, c'était des dialogues qui étaient à l'oral, donc je ne pouvais pas le faire, mais voilà. En tout cas, le deuxième étage, c'est le plus important. C'est ici qu'il y a ton casier, la plupart de tes cours, puisque tu es en seconde. Hein, tu n'es pas en seconde, tu es plus âgé. C'est aussi qu'il y a... C'est aussi... Mais je ne sais pas lire. C'est aussi ici qu'il y a le secrétariat où tu dois probablement rendre plein de papiers. Au premier étage, il y a d'autres salles qui sont réservées au premier et au terminal. Tiens, tu arriveras. Mais le plus important, c'est qu'il y a le CDI. Waouh, trop cool. Autrement dit, la bibliothèque. Non, le CDI, ça me va. Tu voudrais aller voir quoi après? Oula. Une salle de classe, le premier étage. On pourrait pas plutôt sortir du lycée. Ah ouais, j'ai envie de sécher. Le premier étage. Le premier étage. Alors voilà. Ici, c'est le CDI, le centre de documentation et d'information. J'avais oublié que ça voulait dire ça, donc merci. Restez silencieux, s'il vous plaît. Tu peux venir ici comme tu veux. Du moment que tu respectes la petite pancarte derrière moi. Bon, je l'ai vu. Oh. Sexiste. Toi, tu es jolie. On peut pécho les meufs. Pardon. Émilie, je te présente Saïwa. Elle vient tout juste d'arriver. Ah oui, tu m'en avais parlé. Salut, bienvenue à Hummingbird. On va dire HB. Vous me comprendrez. Ce n'est pas du tout que je parle du crayon, mais vous allez comprendre. Bon, on continue la visite. J'aime bien venir ici quand j'ai une heure de creux. Ou pendant les réactions. Oui, donc les récréations. Ah oui, donc on n'a vraiment pas les mêmes expressions. En parlant de ça, ton premier cours va commencer et tu dois passer au secrétariat avant. Tu devrais te dépêcher. Mais je sais plus. Ah, mais au deuxième étage. Oui, c'est vrai, ça, tu ne vas pas arriver en retard dès ton premier jour. A plus. Bon, ça va sonner, ce qui signifie que les cours commencent bientôt. Où est-ce que je dois aller? Je vais essayer toutes les salles. Ouh! Ah! Oh, ok. Salut. T'es qui, toi? Comment tu connais mon nom? Comment tu connais... Quoi, OMG, qui êtes-vous? Oh, ça aurait été alors un témoin IRL. Bon, non, je vais mettre... Hey, comment tu connais mon nom? Je suis Rachel. Rachel? Tu as changé de jeu? Je fais partie du comité d'accueil, d'accord. Tu peux m'emmener au secrétariat, s'il te plaît? Suffisait de me demander. On m'a demandé de t'accompagner au secrétariat avant ton premier cours. Bah tant mieux, parce qu'en fait, j'ai pas envie d'y aller seule. Je suis traumatisée. Non, je rigole. Mais je veux quand même te faire le tour du lycée avant. Non, mais c'est bon, c'est déjà fait. Ouais, je veux bien, garçon Evan m'a déjà montré l'essentiel, mais j'aimerais bien en voir plus. On veut dire ça. Parce que on est impliqué. Un garçon? Non, c'est une fille, mais elle s'appelle Evan. Evan? OMG, c'est trop mignon. Est-ce que tu es amoureuse de lui? Oh putain, c'est quoi? Mademoiselle Saïwa Sky fait chavirer le cœur d'Evan dès son premier jour. Mais qu'est-ce que... Je veux tout savoir. Alors, ça, c'est une Letty numéro 2 et une Rosa numéro 2. Mais en pire, c'est les deux, mais ensemble. Ça forme Rachel. Elle est marrante, j'aime bien. Elle ne me laisse pas en placer une. Tu sais quoi? Trêve de bavardage. Suis-moi. Ok. Elle m'a emmenée au troisième étage et m'a fait monter une sorte d'escalier de secours ou derrière une porte fermée à clé. Voilà mon endroit préféré. On n'est pas censé avoir le droit, mais en tant que membre du CVL, j'ai les clés d'à peu près toutes les portes, logique. C'est pour les avoir que j'ai rejoint le comité. Oh non.
c'est ici que je viens toujours avec... Alex. Salut. Vous êtes en couple? Ah non, non. On va pas demander ça comme ça, ça se fait pas. Salut Alex, moi c'est Sewa, parce que j'ai pas d'habits, s'il vous plaît. Ben non. Ravi de faire ta connaissance. Tous les amis de Rachel sont mes amis. Ouais, bah, c'est pas trop mon ami, vu que je viens de la rencontrer, mais si tu veux. Il s'en est suivi d'une conversation banale et sans vraiment de sens, histoire de faire connaissance. Ils ont l'air tous les deux sympas. Bon, il y avait le plus tôt, mais on va rien dire. On devrait vraiment y aller. N'hésite pas à revenir ici si tu nous cherches. J'ai pas compris. Ah, non, en fait, je devrais plutôt t'accompagner en cours. Il est trop tard pour le secrétariat. Et puis en plus, on est dans la même classe. Oh, Rachel dans notre classe. Non, je ne veux pas vous déranger. Non, super, alors viens avec nous, Rachel, je t'aime. Enfin, bien. Allons-y. Oula. La première journée s'est terminée. Mais ouais, je suis rentrée chez moi. Et après une bonne nuit de sommeil, voilà une nouvelle journée qui commence. Je me demande comment va se passer cette journée. Par contre, j'ai complètement oublié d'aller au secrétariat. Evan m'a dit que c'est au deuxième étage, je crois. Je devrais y aller voir. Aller directement au secrétariat parce que j'ai dû me perdre. Ça ne ressemblait pas à ça quand j'étais avec... Mais non, mais elle est con. Mais elle est con. Non, pas encore une héroïne con. On en a marre, ok. Je ferais mieux d'aller demander de l'aide à quelqu'un. Petite Miss Fashion. Toi, je sens que tu vas être la connasse du jeu. Est-ce que c'est ça? Salut, est-ce que tu serais où est le secrétariat, s'il te plaît? On se connaît? Non, mais je suis nouvelle et... Elle m'a pas laissé finir. Ok, c'est bien ce que je pensais. Ah, elle est mignonne, la nouvelle. Tu sais à qui tu parles, au moins? Une grosse puce, je suppose. Pardon. J'ai entendu parler de toi. N'espère pas un jour prendre ma place. Ok, elle aime un mec. Ciao. Prendre ça. Je ferais mieux d'aller voir à l'entrée du lycée. Bon, espérons que je ne recroise pas cette fille. Si tu es encore une pute, je vous fais tous manger la petite murette qui est derrière toi. Salut, je suis nouvelle ici. Est-ce que tu sais où les secrétariats? Est-ce que j'ai tête d'une guide touristique? Mais je vais vous mettre tous dans... cette tête! Oh non! Je rigole, fais pas cette tête! Oh! J'ai peur! Je suis pas sûre, mais je crois que c'est au deuxième étage. Attends 5 secondes, ok? Josh! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette fille là. C'est quoi? C'est quoi, c'est ça. Qui me demande où est le secrétariat? C'est bien au deuxième étage. Oui, c'est ça, Béatrice. C'est au fond du couloir à droite. Voilà. Merci. De rien. Au fait, j'ai entendu parler de toi avant. Je me rappelais plus de ton nom. Tu connais Rachel et Alex, non? Oui. Oui, c'est ça. Oui! Josh et moi, on est en première L. Et Alex, c'est l'une de mes vieilles connaissances, d'accord. Personnellement, je le connais juste de vue. D'accord, oh, j'avais pas vu que c'était lui qui parlait. Lui et moi, on était au même collège. Je ne sais pas lire. Et il était dans ma classe en 6ème, mais il a sauté une classe, la 5ème, je crois. OMG, un surdoué. Il était super intelligent. Parce que je pense que l'intelligence et les capacités scolaires sont deux choses à part. Ah ouais, trop classe, ça se voit. Non, ça c'est dégueulasse. Ah, juste parce qu'il a des lunettes. Non, je rigole, on va dire ça. C'est exactement ce que je lui ai dit. Ah, mais toi, c'est parce que t'as de mauvaises notes que tu dis ça. Oh non. C'est vrai qu'on peut être intelligent et avoir de mauvaises notes, mais pour moi, c'est quand même lié. D'une certaine manière, je suppose. Bon, vas-y, Saïwa, n'oublie pas que tu dois aller au secrétariat. Attends, je vais te conduire au deuxième étage. C'est pas facile de trouver le bon couloir quand on est nouveau ici. Mais il y a que 3 étages. Tu veux que je me perde où? Je m'ai emmené. Certes, c'est grand, mais il y a que 3 étages, quoi. Ouais. Bon, voilà, c'est au fond à droite. Merci. De rien. Je suis allée au secrétariat. J'ai rendu les papiers pour finaliser mon inscription. Me voilà enfin officiellement élève. Parce que hier, je me baladais et en fait, j'étais pas élève. Voilà, je t'ai pas inscrite et les gens se sont dit t'es dans quelle classe toi? Ben je suis ici, mais c'est juste que voilà quoi. Par contre, mon dossier scolaire il a apparemment été égaré par mon ancien lycée. Putain.
Un secrétariat con? Ok, bah écoute, bienvenue dans le club. J'espère qu'ils le retrouveront assez vite. Bon, avant que les cours commencent, je devrais aller voir des gens que je connais. Rachel! Comme maman m'a toujours dit, l'intégration, c'est l'exact inverse de l'exclusion. D'accord. Je n'ai pas envie de me sentir exclue dès mon arrivée. C'est bon, tu as déjà fait 6 potes, là. Dont une pute. Non, non. Non, c'est la 7e. Je ne l'ai pas compté. Allez au CTI, allez à l'introduit. Sur le toit, on peut pas, normalement. Donc, on va aller au CDI. Et discute ensemble. Si elle va déjà commencer à faire la jalouse. Say what? Tu ne devineras jamais. Je viens d'arriver, frère. Tu t'es enfin décidé à avouer au monde entier que tu... Tu es en fait un chaton. Mais what the fuck? Quoi? On n'a pas cours de la matinée, les profs ont une réunion, du coup tu veux venir avec nous, on va en ville. J'arrive! Bien sûr! On est donc parti en ville. On a décidé d'aller au café le plus proche pour... puisqu'il est encore trop tôt pour aller manger. Sur le chemin, je n'ai pas trop parlé, mais ils ont souvent parlé d'une certaine Mélanie. À les entendre parler, il n'y a pas grand monde qui apprécie cette Mélanie. Mais non, elle a un prénom trop bien en plus. Tu n'as pas beaucoup parlé depuis tout à l'heure, Saïwa. Tu sais, on ne mord pas, j'espère. Non, mais je vous écoutais. Et pourquoi pas participer à la discussion maintenant? Bon, sinon, il y a un garçon qui te plaît pour l'instant. Mais je viens d'arriver. Non, aucun. Okay. Je préfère les filles. Non, je rigole. Ah, je vois, dommage, mais bon, tu en rencontreras probablement d'autres bientôt. Papa, pécho, les meufs! Et toi, tu as un copain? Garçon, oui? Hein? Hein? Non, j'ai pas de copain, mais oui et non. Oh. Ouais. Elle est polygame. Comment ça, oui et non? Tu as un garçon en vue à temps partiel? Mais non. C'est juste qu'il est dans un autre lycée, alors je n'ai pas trop l'occasion de le voir. Oh! Tu sais, il y a pire, hein. On était dans le même collège. Il s'appelle Clément. Tu connais peut-être sa sœur, elle s'appelle Béatrice. Ah ok. Oui, je la connais un peu. Sinon, Evan aussi est intéressé par une fille. Là, c'est nous, hein. Émilie, ce serait gentil de ne pas m'inclure dans les discussions de ce genre. Mais quoi, tout le monde sait que tu es secrètement amoureux de Rach. Emily, tu es irrécupérable. Ah, mais elle s'en bat les couilles de toi. N'écoute pas ce qu'elle vient de dire, surtout. Après ça, on est retourné au lycée. Oh, ils sont un peu cute, quand même. Parce que, voilà, quoi. Mais ils sont cute, voilà. C'est tout. Au passage, on a vu Béatrice et Josh en train de jouer de la musique. On dirait qu'ils font partie d'un groupe de musique ou quelque chose comme ça. Je pense que je commence à bien m'intégrer. Tout le monde a l'air sympa, je crois que je vais me faire une place ici. Béatrice, tu connais la nouvelle? Et toi, la Saïwa truc machin? On dirait tellement les gens qui n'arrivent pas à prononcer mon pseudo. Pourtant, je trouve que c'est simple. Je sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à le dire. Saïwa, pourquoi vous rajoutez un oh. Je ne t'avais pas... Je ne t'avais... Je t'ai... Je t'avais dit que tu ne prendrais jamais ma place. Je ne comprends absolument pas de quoi tu parles. Prendre ta place? Je ne sais même pas qui tu es. Je suis Mélanie, pas la peine de faire semblant. Je sais que tu sais qui je suis. Bah non. Alors Béatrice, tu la connais cette fille? Non, je la connais pas, mais je te demandais où était le secrétaire ce matin. Pathétique. Elle m'a demandé la même chose tout à l'heure. Elle a tellement pas d'amis qu'elle se sent obligée d'inventer des excuses pour pouvoir nous approcher. Attends, de quoi tu parles? J'ai l'impression de retourner en maternelle, là. Tu ne comprends pas? Pour faire simple, je suis Blair. Je suis Blair. Et toi, tu es... En possession du Death Note, je vais mettre ça. En possession du Death Note et prête à y inscrire ton nom. Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien. Ah, tu crois que tu m'intéresses en plus? Ciao. Je suis vraiment. Tu te grouilles, B.
Oh mon dieu! Oh mon dieu, c'est une soumise! Qu'est-ce qui s'est passé là? D'habitude, dans les lycées, même s'il y a des pestes, elles ne sont pas aussi culottées, pour ne pas dire profondément cinglées. Je devrais aller voir Josh pour lui parler de Béatrice. Ah, il est juste ici. Josh? La meuf. Je suis arrivée hier, mais je parle à tout le monde tranquille. Oui. Je voulais te parler de Béatrice tout à l'heure, elle a agi bizarrement. Je vais dire ça. Ne m'en dis pas plus. Mélanie, c'est ça? Oui. Mélanie et Béatrice. Je l'appelle Béa parce que j'ai la flemme de continuer son prénom. Se connaissent depuis toujours. D'après elle, Mélanie n'était pas du tout comme ça avant le lycée. Bon, j'espère qu'elle était cute, hein? Béatrice est vraiment une fille gentille, il ne faut pas se fier à ça. Elle a juste découvert trop tard le vrai visage de Mélanie. Je crois qu'elle l'a pas reconnue. En seconde, je trouvais ça bizarre parce que je ne connaissais pas Béa. Mais je suis habituée à faire semblant de ne pas la reconnaître, de ne pas la connaître. Comment ça? Ça peut paraître bizarre, je sais. Tu devrais aller demander à tes autres amis pour en savoir un peu plus. J'y vais. Et vous m'aimez pas ici! Il y a vraiment quelque chose de bizarre avec Mélanie. On dirait que tout le monde est indifférent autour d'elle. Vous voudrez mieux l'ignorer. Bon, c'est pas les couilles! Vous voudrez mieux l'ignorer. Je suis nouvelle ici. Je ne suis pas une. Je suis même pas en première. Et je n'ai plus 14. Je devrais aller voir Evan ou Emily. Salut, mais ils sont toujours ensemble aussi! Ah, tiens, on parlait justement de toi. Ah. De moi? Pourquoi? On a aperçu la pseudo-dispute entre la plastique et toi. La plastique? Mélanie, quoi. Oh mon dieu. C'est une référence au film préféré d'Evan. Enfin, plutôt à celui de Rachel qui aimait sérieusement celui des... Emily! Oui, pardon, je continue. Dans ce film, il y a un trio de peste et comme à la base, elles étaient trois avec Juliette en tant que Mélanie. J'ai pas vu la suite. Je t'égare, Emily. Je ne sais plus comment elle s'appelle dans les pestes. Je crois que je sais. Embrulie et Charlotte, ça c'est une référence à. Bah, du coup. Amour sucré. Bravo. Mais je ne connais pas du tout. Mais ça me fait penser à The Haters. Mais je sais pas du tout si c'est ça en fait, du coup. Mais je pense pas. Ursula, Morgana et Marina. Regina, Gretchen et Karen. Désolé pour ceux qui connaissent si je nique les prénoms, mais. Bon, bah, on va faire. Ok, c'est ça. Tu confonds avec les trois méchants de la petite sirène 1, 2 et 3. Il y en a un 3. Tiens, ce ne serait pas la Disney préférée de. Emily! Evan et moi, on l'appelle comme ça pour éviter de prononcer son nom. Il est un peu maudit pour nous. J'avoue que c'est dommage qu'elle s'appelle comme ça parce que ça me fait penser à Mélanie Martinez. Et moi, j'aime Mélanie Martinez. Et elle, c'est un pot de peinture. J'avais plus le mot. Maudit, complètement. Je n'irai pas jusque-là. C'est juste le genre de sujet qu'on préfère éviter. Et le nom qu'on évite de prononcer en public, les murs ont des oreilles. On peut pas changer de sujet, s'il vous plaît. Bonne idée. Si tu venais avec nous à la cantine, on allait justement y aller. D'accord, je vais chercher ma carte de cantine dans mon casier, je reviens. On me fait peur, elle. Saïwa, je suis Juliette. D'accord. J'ai entendu parler de ton altercation avec Mélanie. Je me saoule avec Mélanie. Je n'ai pas la première contre qui elle s'acharne pour rien, tu sais. Alors, j'ai juste une question. Pourquoi nous, on est plate comme une planche à pain et tout le monde a des boobs? C'est pas possible! Je crois qu'on a plein de choses. Sauf Rachel. Je crois qu'on a plein de choses à se dire. Fin du premier chapitre. Bah, du coup, on s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye!